Peut-être le soir, là, on éteint des lumières, là. Puis ils chantaient, lui. Puis nous autres aussi, on chantait tout, là. Mais pas seul le temps. On ménageait le collage, on éteint la lumière. Au bout du lac, pour l'anger, le robinot reposa à Didi, reposa à Béa, la reggae du coin-coin, la ricoire. Les années est bonne, là. Un jour, je m'allais à confesse au curé de Terrebonne, au curé de Terrebonne. Et je me confesse d'avoir embrassé un homme. Oh, tu t'en souviendras, ma mionne, du curé de Terrebonne. Du curé de Terrebonne. C'est beau, ça. Embrassez-moi 5 ou 6 fois, puis je vous le pardonne. T'en souviens, ma mionne, du curé de Terrebonne. Mon grand-père, lui, c'était messier de papier, mes bas de tabac, messier sans roue, ma mionne, messier sans roue, ma mionne, mes amours. Moi, j'embarquais sur le bord de choses à faire. Je me chantais des chansons, le pire. Pépire panier, que je l'appelais, moi, Pépire panier. Pépire panier. Pépire Pagny. Pépire Pagny. Je l'appelle Pépire Pagny. Et ça, la Valerita, ben, nos chansons, on éteindait la lampe pour monnaie de colère. C'était cher, puis t'as 35 cents du galon dans ce temps-là. Ouais. Les hommes travaillaient au moulin pour 35 cents de l'heure. Mon grand-père s'appelait Théodore, mais. Peut-être qu'il s'appelait Ernest. Baptême, mais. Comment c'est ça que je n'avais pas lavé mon globe de vente? Ben, j'ai des journaux en masse, je mouillais puis je lavais. Bon, il avait trouvé chez Repevin répondu là. Ben, j'étais fatigué, on avait tout bien 12 ans. En Québec, c'était à moi de ce qu'il était. Ben oui. Mais seulement, il voulait qu'il y ait un papier du gouvernement. Ouais. Il y avait tellement à faire. Ouais. Mon grand-père aimait ça, mais le quête arrivait. Il avait toutes les nouvelles. Hein? Il avait toutes les nouvelles, là, lui. Wow. Et puis, il ne savait pas lire ni écrire. Oui. Puis, il y avait toutes les nouvelles à l'entour de chez ben lui. Puis, les petites places ensemble. J'ai eu la loque d'avoir un petit amoureux pas trop loin de la maison. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Le père, qui partait, elle dit André, là, tu vois, tu fais fille. Ça allait le voir. Ça allait prendre une marche le dimanche après-midi. C'était plate chez nous, pour lui. Ben, je sais pas si c'est moi ou lui, mais on s'avait donné du tuvec sur la côte de bois. Ça ne peut pas arriver. Tu sais, là, madame, elle s'est fait. Ben non, madame a mouru, vous mère. A mouru. C'est drôle d'amourir. Papa allait à ça dans ses chemins de sauvegarde. Puis il poignait. Il arrivait à la maison avec des padris ou. Oui, des padris puis des lièvres. Qu'est-ce que c'est, là? Que c'est, là, qui avait soin de. Qui était obligé de tout plumer ça, là, c'était ça. C'est vrai. Et qu'on est. Des fois, 7-8 lièvres, 5-6 padris. Des padris, j'ai dit ça, puis un lièvre, ben, ça, c'était assez vite. Ouais. Ben, papa, j'ai été travailler pour la Sprouse-Fall. Et un hiver, il a été surveillé pour la Sprouse-Fall. Mm-hmm. On restait sur M. Ouellette, nous, dans ce temps-là, papa ne voulait pas nous suivre tout seul. Il arrivait trop pur du feu, ben, il s'occupait de nous autres, hein. Mm-hmm. Il faisait son devoir. Il n'avait pas le temps de se décourager. Elle a soigné ses chevaux là, vers 9h. Mais... Elle a soigné ses chevaux. La maison est toujours pleine de monde chez nous. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas parce que. Parce qu'il avait fallu qu'il avait rentré dans le chèque et après donné un petit bec au maire. Je dis que. Puis. J'avais été couché là, sur le gars. Tant qu'il a prié, là, ça finissait plus. Les enfants se valaient. Tant qu'il commençait, le bonhomme se mettait à genoux, là, les enfants, ils allaient se pelleter. C'était là, là. Ils sortaient et ils revenaient après le chapelet. Ben, moi, j'ai été poli, j'ai dit chapelet. Tu sais, les affaires qu'ils disaient, on dirait. En latin, c'était aura pour novice. Ouais. Rien pour nous, c'est pas trop. Ouais. En tout cas, ça finissait plus ce soir-là. J'ai tenu ça à genoux. À genoux, c'est là, il pleumait. C'est drôle, on s'est jamais ennuyé, puis on avait rien. Hein? On sautait ben, des hopscotch. Ah oui. C'était notre jeu. Des hommes jouaient avec des fers. C'est pas vraiment des chevaux, c'était intelligent. Hein? Ouais. Il embarquait, là, le vieux devenait, il prenait le coup pas mal fort. Il embarquait, là, puis le cheval l'emmenait jusque chez eux.
Moonbeam à pied, là, ben, que je reste assez loin, mm-hmm. à Supera au village. Mm-hmm. Donc, M. Perra, il prend le cheval, il l'attache, il prend un poteau, je sais pas où. Qu'est-ce que c'est, ce bruit-là? Je sais pas quel poteau, mais. En même matin, le bonhomme était couché à terre, puis le cheval était parti chez eux, à Moonbeam. Le cheval s'en est chez eux. Il t'en retourne à la maison. Il t'en retourne à la maison, ce qu'il me donnait. Au fou, c'est un cheval. Puis Pete Saint-Louis, une fois, il a dit à Perra, toi, là, t'as pas une femme comme t'avais, là, comme t'as, là. Tu seras aussi beau comme moi. Le bonhomme n'était pas trop content de ça. Ben, elle tenait le bureau de poste. Puis tout a été le chef de toutes les petites assemblées. C'est elle qui prenait le. C'est le secrétaire. Puis elle était secrétaire à part de ça, des fois. Des fois. Elle avait une bonne famille, avec 4-5 enfants. J'ai une grosse instruction, moi j'étais 2 ans cool. Puis la maîtresse n'était pas là. Non, j'étais au couvent, moi. J'ai été 2 ans. Où ça? À Matane. Maman nous montre bien des choses, elle. Mm-hmm. C'est vrai que ta mère était maîtresse d'école aussi. Hein? Elle était notre maîtresse d'école chez nous. Oui. Mais avais-tu enseigné dans. Non, elle n'avait jamais enseigné. Non. Elle était instruite pour. Mais elle avait son diplôme pour enseigner, par exemple. Albert Beauchamp, il gardait le diplôme. Dis-moi pas, t'as marié une maîtresse d'école diplômée? Ben. Bon, ben, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Un colon comme toi, marié une maîtresse d'école diplômée. Ça fait du pas que je te fais. Avez-vous déjà fêté le mi-carême? Oui, maman, il s'est rentré pour qu'on en ait peur un peu. Ouais. Hein? On avait toutes des masses. Où ça? En vérité, ils ont déjà fêté. Là, Pierrette avait gagné le premier prix, puis Lorenzo. Mais elle avait travaillé 2 semaines pour faire ce costume-là. Elle a fait d'un chinois puis une chinoise. Mais son costume était bien fait, elle a acheté un patron pour ça. C'était quoi de dispendieux? Elle va payer une couturière pour faire ça. Là. C'était. Eux autres qui avaient gagné le prix. C'était lui quand même. Il avait essayé de. Ben, Pierrette et Lorenzo, ils ont couru le mi-carême. Uh-huh. La première fois qu'ils ont couru le mi-carême à Valerita, ils ont été sur France Cordière là-bas au bout du lot. Ben ça, Pierrette t'as pas le choix là. Avec les jeunes dans l'entour de la maison. Maman avait acheté une caisse de vin blanc parce qu'elle était malade pour dormir, mais celui qui a hérité de la caisse de vin, c'est papa. Hein? Maman, mm-hmm. ça l'empêchait de dormir, elle avait essayé ça. Il y avait des lecteurs qui disaient ça, mais. Avec un permis d'hecteur, on avait eu. Elles sont rendues épais. Elles avaient volé une soutane à Monseigneur. Puis ils passaient. Comment c'était à manger? Ils avaient volé une soutane à Monseigneur. Puis il y en a un, là, puis les autres, parce qu'ils portaient le bon Dieu. Hein? Ouais. Ils allaient porter le bon Dieu aux malades. Ouais. Puis tant qu'ils passaient, s'il y avait le bon Dieu, ils sonnaient, là, puis le monde se mettait à genoux. Hein? Comment tu étais dans le chemin? Tu ne mettais pas à genoux dans le chemin, mais il n'y avait pas de char. Non, mais tu enlevais ton chapeau. Ouais. Fait qu'il y avait un mort, là. C'est mon grand-père. Il y allait au corps qui appelait ça. Ouais. Ça, c'est parce qu'il prenait une porte. Oui. Une porte de chambre, là. Ouais. Il couchait le mort, ça. Fait que le monde allait se bourrer à la face, là. Le papa, me semble qu'il comptait qu'une fois, il dansait, c'était une pièce de. Un appartement, un petit bloc appartement. Il allait veiller au corps une petite secousse, il mangeait comme il faut, puis après ça, il allait danser. Mm-hmm. C'est une grosse peine dans ça, mais non. Quand ma mère est morte, il y avait un gros crêpe après le chac. Oui. Moi, c'était un chac de ça, là. Puis vous avez-tu fait la même chose? Oui, c'est pas nous autres qui a fait le manger. C'était les femmes qui avaient dans ça, là, qui faisaient le manger. Les femmes qui étaient chez nous, Mme Ouellette, Mme Blouin, la mère Pierrette. Mm-hmm. Nous autres, on n'avait pas de parenté. La mère avait 33 ans. Hein? La mère avait 33 ans, quand elle avait ben oui, maman, elle s'attendait pas qu'elle était pour mourir. Mme Richard, elle a fait atterrir son vieux pas avec elle, là. Ben, ils sont pas morts en même temps, hein? Mais pas longtemps après, hein, mort. Tu veux dire qu'ils ont des différents monuments? Hein? Ouais, ils ont deux différents monuments. D'autres, on en a qu'un pour nos deux. Mais ça, ma mère, c'est le nom de mes enfants, tout dessus. Je suis bien content d'avoir fait ça. Moi, je ne vais pas me faire brûler. Ça fait bien trop mal. D'abord, oui.
me fait une petite brûlure, gros comme rien, et puis je pourrais broyer.